shook, now I'm fighting to hang on. She needs a drink and I'm buying. She needs a ride and I'm driving her home. Kisses like cocaine, hits me like a freight train. I can't tell her no. She'll be an angel begging for more. Now she likes it. Grab your fuse and let for the tour. When she likes it. She's a world-class player, guess I'll never learn. She loves me up just to watch me burn. What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play Dead Island Ripped. Aujourd'hui je me retrouve encore une fois seul, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais en même temps il n'y avait personne de vraiment connecté, donc je me suis dit écoute du PlayStation Network pour pas avoir de spam etc, de genre gros cul ou les trucs comme ça, tu vois, les messages habituels. Voilà, donc on va se continuer de Let's Play solo pour cet épisode. Zombie. Je vois des zombies. Ok, fail. Attention. Voilà, ça c'est fait. Et bâtard. Tiens, arme blanche, compétence augmentée. Oh putain, il y avait un kamika juste à côté. C'est quoi, on va se tailler. On taille. Ah. Ah. Poussez-vous. Oh, je vais niquer là. Oh, je vais rigoler. Regardez comment on va s'amuser. Une batte de baseball. Et pim. Ah non, attends. Et pim. Allez, je vous nie, vous pouvez rien faire. Que je suis cruel. Oh le kamikaze. Oh le kamikaze. Allez, on va vite se les buter les autres. Et on taille, on taille, on taille. Ouvrez-moi la porte. Et arrête de me pointer un flingue toi. Bijour. Bijour, bijour. Attendez, je crois que j'ai des points de compétence que je... Ouais, j'ai des points de compétence, j'en ai deux. Oh oh. Bah c'est parfait, on va pouvoir monter ça. Et là c'est quoi? Attaque tripiante avec beaucoup de force pour que des hommes agissent de plus en plus aussi. On va prendre ça. Voilà. On verra ce qu'on s'augmentera plus tard. Hey, Harlow. We should talk. Gourdin irlandais, formidable, c'est quoi ça? Mais contre la... Pourquoi c'est moins puissant? C'est bizarre que ça soit moins puissant quand même. Bon, bah, je comprends pas le délire. Bizarre. I know you're worried about Dr. Kessler, but he's not like Marcus. Dr. Kessler spent years assisting the World Health Organization and did groundbreaking research on how viruses mutate when they come into contact with external factors. And sure, he might be a tad eccentric, but who isn't these days? I'll go, but I hope you're right about him. I really do. Trust me, he's a good man. He wouldn't harm a fly. Are you ready to go? Yeah, I'm ready to go. What? C'est quoi qui me donne? C'est une arbalète? Ah non, c'est un harpon. Right. C'est un harpon, c'est bien quand même. Hein. Putain, un harpon dans le jeu. Oh, je savais pas, ça va être bon ça. En même temps, vu qu'il y avait un pistolet à clous, le harpon, il pouvait le faire. Hein. J'ai envie de dire. Attendez. Non, franchement, c'est une super idée d'avoir rajouté des armes comme ça. En plus, vu qu'on est à la plage, bah ouais, un pistolet à clous, vas-y, tant qu'à faire, c'est qu'on des zombies. Et alors, le harpon, voilà. Dans les buissons, wouhou. Attendez. Fail. Bon, tant pis. Go, 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 les mecs. Go, 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 go. Allez. Oh, j'ai entendu un assassin. Non, pas dans l'eau. Oh, putain de sa maman. Hop. Comment il vient de s'effondrer, ce zombie. Ah, c'était épique. Oh non, pas le noyer. Cours. On va grimper. Ça va le noyer, il a du mal à me suivre. Gros pâté le mec. Allez. I'm a warrior. Eh ouais. C'est plus ça la jeunesse. C'est moi Tarzan. Je crois que ça c'est du zombie ça. Ça c'est du zombie non? Non. Et ça? Non plus. Bon. Ah là ils sont là les zombies, ils sont là les petits zombies. Bim. 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 Attends mais écrase lui la gueule. Mais écrase. Bon ok. Reste par terre toi. Mais pourquoi je peux pas l'acheter? Mais achève le bordel. Bim. Ah
Elle est encastrée dans les buissons. Il y a des petits bruits là qui m'inspirent pas tant confiance que ça. Il y a du zombie, on va essayer de prendre la bagnole. Vite, 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 vite. Allez! Démarre! Putain! Allez! Toi, bim! Un zombie en moins. Oh, je sais pas si on passe. Ça passe ou pas? Ça passe pas. Merde. Putain, mais pourquoi la porte est fermée? Oh, attends, les autres zombies, j'espère qu'ils sont pas. Ça va essayer de me suivre, mais bon. Voilà, ils ont du mal. C'est des fatigués. Oh non, va falloir prendre un bateau là. Oh, c'est... Non, non. Parce que lui, c'est un zombie qui est pas mort, lui, regardez. On va le réveiller un peu. Bon, je l'ai raté. Bon, j'ai gâché un couteau de lancer, mais ça valait le coup. Alors, bah par contre, j'y vais à la nage. Ça craint quand même. Hein. Bon, bah, go. Y'a pas de bateau. Fonce! Ah, on va pouvoir ramasser le couteau du coup. Wow, wow! D'où ils sortent? Oh putain, quand ils m'ont fait peur! Ça va, ils savent pas aller dans l'eau, ces couillons. Par contre, dès que je vais tomber sur un. Sur des zombies amphibiens, là, je vais me pisser dessus, moi je vous le dis de suite. Hein. Ah non, mais je supporte pas les. Je supporte vraiment pas les créatures. Qui sont dans l'eau. Hein. Et lui, on va le contourner, ce bâtard. Il fait sa sieste, on va le laisser tranquille. Parfait, putain, je suis passé dans l'eau, mais vu que j'avais buté le seul zombie. Non, alors non, 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 non. On va utiliser notre truc de merde là. Genre, il m'a donné ça, c'est... enfin, elle m'a donné cette massue dégueulasse là. C'est de la merde. Wow. D'accord, 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 d'accord. J'ai très bien compris comment on devait se les faire. Voilà. Je vais gagner un blind XP là, non? C'est tout? Sérieux? Je m'attendais à beaucoup plus. Oula. Oula. Oh putain! Moi je me suis retourné, hein. Mais meurs maintenant. Ça n'empêche, elle fait des dégâts bizarres cette massue là. Non, non, non. Non mais. Mais putain, mais tu pues de la gueule quoi. Oh yeah. Oh, j'ai la même compétence que avec Sambi, c'est bon ça. Et où? Allez, reste par terre, bâtard. Ping. J'adore ce petit saut de merde là. Allez, ouvrez-moi la porte. Ah, je savais qu'on allait aller là-dedans. C'était évident quoi. Wow, franchement, jolie présentation là pour le coup. Ah ouais, jolie présentation en 3D, genre avec plusieurs plans. Ah, oh, je kiffe. I love this. Par contre, l'ordinateur qui date de des années du Moyen-Âge, te plaît, l'ordinateur quoi. C'était franchement, il me fait penser à mon premier Mac quand j'avais 5 ans. Ah oui, j'avais un Mac à 5 ans. Found Kessler's outpost. All right, find a way in. Better keep my guard up. OK. On se concentre les mecs. Ah, il y a une arme là, c'est quoi? There's an intercom. Marteau précaire. Attends, on va regarder un petit peu toutes les armes qu'on a dans notre inventaire. Alors. Ouais, genre ces vieux couteaux de merde, faut les jeter, non? Attendez. Alors ça par exemple, dans ça on garde. On va jeter les couteaux, genre. Attends, ce couteau-là, niveau 16, on va l'abandonner. Et on va ramasser le. Ça là, le marteau précaire. Allez, ouvrez cette porte. Non, c'est où? Faut sonner? Dr. Kessler, open the door. Who is it? What do you want? I really need your help, Kessler. It's extremely important. I am busy doing serious research here. I have no time for visitors. Leave me be. Sir, it's about your research. I read your study on the Kuru disease. It was bloody brilliant. That's what I wanted to talk to you about. I swear I can't get a woman's peace around here. Very well, come in. Bon, il s'est fait avoir.
Par contre, il y a eu un petit no-signal, donc je vous retrouve de suite. Voilà, donc on se retrouve. Ah là là, c'est no-signal. Ils sont en train de revenir, ça me saoule. Ah, il y a une arme là. Matraque précaire, elle est moins puissante. J'ai des couteaux de lancer, alors on fait pas les malins là, hein. Que et que ça. Mon dieu, What the hell? On va prendre le marteau. All right, I let you in. Now tell me what you want. I need information about the tunnels from the war. Specifically which one goes to Henderson. There aren't any tunnels. Now get out of here. I am a scientist, not a tour guide. Stop wasting my time. Marcus Villa told me about the tunnels. I know he was your research partner. You saw Marcus. I haven't seen him in ages. He was brilliant, you know, in his own way. But let us just say there are reasons we no longer work together. Very good reasons. Yeah, he wanted to eat me. The guy was certifiable. He wanted to eat you? That doesn't make any sense. Sure, he went to live with the natives, but they've always struck me as peaceful people. Perhaps he was worse off than I even imagined. But that does not explain why he would resort to cannibalism. Yeah, well, he wanted some flesh from someone who's immune to the plague. Had some crazy ideas about using it to make a cure. Wait a moment, are you saying that you are immune to what's happening out there? Well, then, this certainly changes things, doesn't it? Yes, I'm afraid it does. Yeah, I have a map that you should find helpful. But if you want it, you need to help me with something. I have been researching this disease for many years now. Kuru has been endemic to the indigenous people here for centuries. This outbreak is one of many, and each incident is a little different, as is the trigger that reawakens the plague. It's truly remarkable how this prion disease adapts and changes, how it mutates when exposed to external factors. The speed at which it affects the host organism. Astonishing, really. But science can be unpredictable. Dangerous, even, you understand? Yeah. So is that why there are all those bodies in the greenhouse? A truly unfortunate accident. One that was largely the fault of my assistants. I assure you, I had very little to do with what happened out there. You know, I'm still waiting to hear what you want from me. I am merely trying to make it clear that I am not an evil man. In times such as these, it is easy for men of science to be blamed, persecuted for their actions. Especially by people who possess lesser minds. My four assistants were in possession of some reagents, chemicals contained within vials. Unfortunately, those vials are out there in the greenhouse. Bring them to me and I will give you the map. Do we have a deal? Oh, qu'est-ce qu'il me donne? Arme électrique de défense. Putain, mais il donne des trucs de ouf. You will probably need to kill all four of them in order to secure the vials. But there is no saving them now. You will be putting them out of their misery. What's done is done. Just have the map ready to go. Ok, donc il y en a combien à buter? Il y en a 4. Allez, c'est parti. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh my god. C'est quoi ça? Oh putain, on passe par un truc désaffectant quoi. Allez, cassez-vous. Lui il est mort. Lui il est mort. Lui il est mort. Il est mort. Lui il est pas mort! What the? Oh bim! Bim! Allez, dégage! Putain. Ils sont dégueulasses, ils sont tout moches. Bim! Voilà, scientifique muté de mec de boule. Voilà. Moi je vérifie bien. Hein. Ah mais de toute façon ils sont affichés sur la map que je suis con. Allez, il y en a un là. Laisse le faire. Oui, il a dit. Qu'est-ce que? Il est où? Hein? Je vais avouer, il se téléporte le mec. C'est quoi ça? What the fuck? Attends, mais. Oh mais putain, mais dégage! En fait, c'est un scientifique assassin, lui.
Voilà. Mais attends, mais c'est bizarre. Ils sont tous à l'étage apparemment, mais... Ah, il faut accéder à l'étage par là. Mais non, c'est pété, putain. Fuck. Ah, il y a une échelle. Hop. Allez, go, 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 mec. Ils sont tous en haut, on va les démonter. Ouais, démonter, moi je te dis. Hop. Vas-y, voilà. À prendre quoi comme arme? On change un peu, genre... Le truc irlandais, là. Oh, d'où il sort, lui? What's up, bim? Bim! Je les ai démontés. Wouah, t'es... Dégage. Ah, mais c'est quoi, ça? Pourquoi ça m'a fait ça, là? Meurs, toi. Oh, il m'a arraché. Je me suis fait démonter. Bon, c'est pas grave. J'aurai ma vengeance, moi je te le dis, mec. Fais ton malin. Fais ton malin tant que tu le peux. Je vais prendre des points américains, tu vas voir. Plus j'ai ma rage là, au cas où quelque chose tourne mal. Au cas où ça tourne au vinaigre. Hop. Attendez. C'est quoi ça? Bon, excusez-moi, je regardais quelque chose IRL. Eh, dégage! Il est là. Oh le bâtard. Oh c'est quoi ça? What the fuck? Grenadier. Oh, tu vas mourir. De suite là. Genre. Putain. Non mais il va me balancer ses pustules à la gueule là. Et encore un autre signal. Bon. C'est en train de me saouler. Putain. C'est pour ça que j'ai dit non tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que le mec me balançait ses merdes. C'est vraiment parce que j'avais vu que le signal allait se déclencher. Parce qu'en plus ils te préviennent, c'est genre mode bâtard. Mais alors lui, voilà, il est venu pour se faire achever celui-là. Oh, comment il est tombé comme une merde. Oh, c'était beau. Réactif. Voilà. Premier servi. What? Oh, j'adore cette capacité. La puissance. Je veux voir faire un vol plané, toi. Ouais. Oh, comment je vais faire pour atteindre l'autre côté? Utiliser. C'est quoi ça? What the? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu du sang qui a giclé là? Attention. Il est mort lui ou pas? Ouais, il est mort. What? On va activer notre rage parce qu'il m'a saoulé celui-là. Voilà. Putain, deux coups de rage, ça suffit. Oh, ils sont tous là. Oh, ils sont tous là. Oh, oui. Oh, yeah. Allez, venez, bitches, motherfucker. Non, j'ai plus ma rage. Bon. Attends tout le monde, je reviens. T'es réactif. Voilà. Oh oui. Oh, truc trop improbable quoi. Ah mais c'est dégueulasse, regardez. Ça bouge et tout. Waouh. Non. Bim. Ça y est, il est mort. Attendez, on va s'occuper de lui. What's up? Meurs. Putain, y'a un mec qui arrive à sa rescousse. Non. Taille. Wow. Quoi ça? Pourquoi ça m'a explosé à la gueule? Il envoie juste des gros bouts de chair, je comprends pas pourquoi ça explose. Allez. Un en moins. Meurs. C'est quoi? C'est genre le boss des grenadiers, ça? C'est quoi ce jeu? Oh, y'a ma tête qui a dû voler là. Putain. Bon. Il m'a calmé. Meurs, espèce de vieille chienne. Quoi? Putain. Y'en a un qui est en bas là. Pourquoi il est en bas lui? Fou. Le saut. Bim. Coup de marteau irlandais dans ta face. Oui. Oh, j'enchaîne. J'ai plus de... Merde. Hop. Oh, esquive. Allez, viens, bâtard. Bim. Marteau. Coup de marteau.
Aïe, coup de marteau, coup de marteau, coup de marteau. Allez, mais meurs. Tu m'obliges à utiliser mes couteaux de lancer, tu le sais ça. Ouch. Allez. Ouch. Y aller. Et voilà. Allez hop, on les ramasse. Tu vas voir le couteau de lancer, mon gars. Tu peux pas tester. Meilleure arme du jeu. Attention. Ouch. 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 Et non, il va me lancer une grenade dans la gueule. Non. Oh merde, j'essaie de récupérer le couteau de lancer dans... Non, non, non. Je suis pas mort. Ouf. Allez vite, régène-toi, régène-toi. Bon, mais putain, mais meurs quoi. Faut que je regarde si j'ai pas de mun. Genre de mon lance-fusée ou un truc comme ça là, que je lui démonte la gueule. Tu vas voir. Attends. Inventaire. Cloueuse sauvage. Genre j'ai des munes de ça. Non, j'ai pas de mun. Bon, c'est la cloueuse sauvage. J'ai pas d'autres armes de longue portée. Pistolet, détresse. Non plus. Mais putain, mais j'ai rien. Ouch. Fail. Attends, merde. Bon, allez, meurs maintenant, quoi. Putain, mais... Voilà. Allez. Oh non. Il va exploser, il va faire quoi, là? T'en supplie, explose pas. Faut juste que je récupère le couteau d'abord. Ah, meurs. Oui. C'est bon, j'ai tout. Faut que j'aille où là? Par là? Vas-y, je me jette. Voilà. Oh, même pas. Je pensais me ramasser la gueule comme une merde. Comme une grosse bouse. Donc, comment je fais pour l'atteindre là? Merde. Attends, il y avait un chemin. Non, non, c'est pas possible, c'est par là. Vas-y, on prend le petit flingue, on va. Ça fait genre on court plus vite avec, c'est ça? Regardez-moi ça, pourquoi? Moi je veux des munes, je veux des munes. Donnez-moi des munes, s'il vous plaît. Et hop, truc désinfectant de merde. Là je prends une mune, non, une place. Je suis triste. Hey, Dr. Grace là. Good, good. Now I can conduct my tests. I only require a sample of your blood. Oh, you can't be serious. Give me the map before this turns ugly. I am doing a poor job of explaining myself. You are clearly immune, that much is certain. But that does not mean that you are safe. There is a strong possibility that the virus is in your body. And if it is, it could mutate. And depending on how it mutates, you could be in grave danger. All I need is a small blood sample. I run a simple test and then we'll know. This is for your own good. Here, do it. Okay, you will feel a little prick. Nothing to worry about. Ça y est, il m'a déjà piqué. Non, c'est là qu'il me pique. This task for me and the map is yours. Attends, il se pique lui-même. See, that wasn't so bad, was it? If I had a little sweet, I would give you. Oh, le bâtard. Ah, oh, Jesus Christ on a pony. I was merely trying to lighten the mood. Oh, it will only take a moment to prepare the sample. Please be patient. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi j'attends comme un con, c'est ça? Alors y'a quoi là? Journal? Hop, je prends. La plupart de mon squad est mort. Il est dehors. Daddy need some new shit. Merde, pourquoi y'a un enregistrement qui se lit là? Oh non, c'est saoulant ça. Murphy put a bullet in him as he was raising the dead. You are completely resistant to the virus. I already knew that, Kessler. No, it is not what you think. Your resistance to the virus has kept it from multiplying, from wreaking havoc on your body. But it has not destroyed the virus. It has merely suppressed it. You need to be very careful. Any contact with certain types of reagents could trigger a mutation. And if the virus mutates, it stands to reason that you could lose your immunity. Or much, much, much worse. Unfortunately, there are so many factors to consider that it is impossible for me to tell you exactly what might happen. But one thing is clear.
You should avoid anything that would put you at risk. What are you talking about? Your plan was to use the tunnels to reach Henderson, correct? Yes, the Japanese created them during World War II, and later they were used to store chemical weapons. In the 50s, during a monsoon, there was a leak, and some of those chemicals worked their way into the water. The Aussies sent in a battalion of engineers and soldiers to clean them up, but they weren't successful. When they went into the tunnels, one of them must have been infected. The virus mutated and all hell broke loose. The Aussies had to blow the entrances to prevent the infection from spreading. Most of the men were still down in the tunnels. I have long suspected that exposure to those chemicals is what caused the infected soldier to mutate. Anyway, you need to find the old Jesuit mission. A passageway runs from the ruins down into the tunnels. Here is the map, as I promised. I cannot stop you from going down there. That is your decision. But if you do, use an abundance of caution. Try to avoid prolonged exposure to the chemicals. I wish you best of luck. Heaps. Bon, ça, le Dr. Kless là, il est pas si méchant que ça. Hello, answer me. Hop. Thank God I was starting to worry. Did you get the map from Kessler? Yeah, I got it. Tunnels might be a problem, though. You can fill me in when we meet up. Where are you going now? I'm gonna find the entrance to the tunnels. That's it. Oh merde, il me donne une récompense, l'autre con. Bah attends, bon, j'ai pas raté ma récompense, oh. C'est quoi ça? Bah oui, en plus, c'est l'arme électrique. Putain. Attends, mais maintenant, on va jeter quelque chose de merdique, genre ça, allez hop. Oui. C'est quoi? Oh, c'est un taser. Oh putain, on va s'éclater. Oh yeah. Mais par contre, je sais pas comment on fait pour retrouver des munitions de ce genre d'armes, hein. Parce qu'il faut les trouver, quoi. Une boisson énergisante, ouais. Et hop, mais merde. Hop, 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 hop. Let's go, les mecs. On va tester notre taser. Oh yeah. Je le sens bien. Commando, je vous couvre. Yeah, ouvrez la porte. Et là, chargement. Veuillez patienter. Chapitre 5. La mission. Les armes avec de bons attributs de base gagnent en puissance une fois modifiées. Les coups critiques infligés avec des armes modifiées provoquent des dégâts massifs. Waouh, c'est génial! Et si ce chargement se finissait? Why am I the only one doing this? Qui me parle là? Hein? C'est mon mec qui parle tout seul? Genre, ouais, très bien. Oh, j'aurais voulu me lancer un truc sur la gueule lui. J'ai eu de la chance de pas me l'être bouffé. Mais démarre, putain, démarre. Voilà, hop. Yall, release, c'est quoi ce défi de merde? Ouf, ouf, celui-là, il a couru se faire déchiqueter par. Ah! Demi-tour! Embouteillage. Allez, viens te manger la bagnole, toi. C'est bien, en conduisant, je me fais des défis et tout. Voilà, tranquille, tranquillette. On emprunte le pont. Voilà. Et là, en mode Monation Racer. Bam! Multi-kill. Attendez, où je suis allé là? Par là. Par là, par là, par là. Oula, je crois que c'est par là qu'on escale en fait. Bah non, ça, j'ai eu peur, je me suis dit putain, on va se faire la putain de saut. Wow, je conduis comme un pro. Non. Ok. On va mieux faire fermer la gueule. Hop là. Bon, c'est pas drôle, y a pas assez de zombies à écraser là. Ah voilà. Ah. Défi actualisé, cadavre ambulant. Attends, merde. Genre t'es pas mort. Attends, merde. Mais je pensais que. Je pensais qu'il y avait un endroit où on pouvait tourner là. Bon, tant pis, on va continuer par là. Hein. Je vais bien finir par trouver le chemin. Toutes les routes mènent à Rome, n'est-ce pas? Ouais, juste pour les zombies. Ah tiens, y'en a un autre. Hop. Est-ce qu'on peut tourner là? Oh non, c'est un vieux camp de merde ça.
Ouais, non, mais calme-toi, l'infecté. Allez hop, il s'est tué tout seul sur la voiture. Il s'est jeté. Allez hop, un autre là. Ah merde, je l'ai raté. C'est con ça. Oh le tunnel, bim. Putain, mais je vais réussir à atteindre ce. Allô, pardon. Excusez-moi, pardon. Oh, il parle en français. Il parle en français. Oh putain. Allô, pardon. Pourquoi il parle en français le mec? Attendez, je vais aller le sauver ce mec. Il parle en français, c'est quoi ce délire? Pourquoi il parle en français? Attendez, on va. Ah non, mais il y a deux secondes, il vient de dire pardon. Pourquoi maintenant il parle en anglais, ce connard? Il a fait des faux espoirs là. Je pensais que c'était un truc caché pour les Français, moi. Attendez. Oh, tu bouges plus, sinon je t'électrocute, ok? Waza! Waza! Pardon. Il est malin là. Oh. Oh merde, on peut pas récupérer leur truc. Je me suis dit peut-être qu'on pouvait récupérer les mines, ça aurait été trop beau quand même. Oh. Oh. What the fuck. Bon, j'espère qu'ils vont me faire spawn à l'endroit où je devais aller de toute façon. Ça m'arrangerait bien ça. Vous entendez, il dit pardon hein. C'est quoi ce délire? Pourquoi il dit pardon? Voilà. Allez, mais meurs maintenant. Bon, pourquoi tu me dis pas? Do you have some... Parle à Pierre. Allô, pardon. Bizarre ce mec. Il me fait stresser, je me casse. Et comment je suis censé atteindre mon corps, moi? Putain. You are the fuel for my generator. Non, j'en ai pas, connard. Je devais pas aller t'en chercher. Allez hop, on monte pas la voiture. C'est enfin dans la voiture, parle-toi. Allez, cassez-vous. Putain. Je veux juste aller dans mon camp, moi. Fuck. Mais c'est quoi ce délire? Allez. On n'a pas une carte. Ouais, on a une carte, super. Ah d'accord, l'endroit où je dois aller, c'est même pas indiqué, quoi. Si j'emprunte cette route, donc ça voudrait dire... Et celle-là, tac. Ouais, ça veut dire que là il faut que je tourne à gauche comme ça. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Et il faut que je tourne à la première à gauche. Bon, arrêtez de me courir dessus les zombies là, je vous entends. Juste pas discret. Alors, la première à gauche. Non, celle-là ne compte pas, j'imagine. Et là, attendez. Non, toujours pas. Là, c'est un camp. C'est vraiment pratique cette carte. Hein. Ah, peut-être que. Ouais, c'est un chemin à pied. Allez hop, tout le monde descend. Fighter. Ok. Et bim. Et voilà. Oh, l'enchaînement. Oh, c'était magnifique. C'était tellement fluide. Qu'est-ce qui sort des buissons? Il faisait caca, lui. Allez. Quelle violence. Que ça fait du bien de voir ça. Day zone. Go, 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 go. Oh, alors lui, regardez la double. Bim. Oh, je pensais mieux viser que ça. Allez. Non, le noyer, ça a rien de mettre un gros coup de pied dans la gueule. Attendez, on va activer notre compétence. Comme ça, au moins, on gagne une XP. Qu'est-ce que tu me gères dessus, quoi? Qu'est-ce que tu me gères dessus? Oh. T'es pour un con ou quoi? Tiens, tatane. Et lui aussi, on va lui viser la tête, tu vas voir. Oh merde. Oh, ça tue dans tous les cas, hein. Let the zombie eat the floor. The flood, je sais pas. C'était écrit en anglais, bizarre. Et en plus, c'était long, donc ça carrément, ça quittait l'écran, quoi, le nom du défi. Ça ne rentrait pas. Non, alors, on va éviter de se les taper, ceux-là. Oh putain, pourquoi j'ai pas mes armes? Allez. Non, 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 non. Pas du zombie. Pourquoi je passe juste dans l'eau? Juste le truc où je voulais pas passer. Et lui, il peut courir dans l'eau, ce bâtard. Oh, je te lui ai troué la tête, là. Oh, la tonne de zombies. Oh là là. Nettoyer les ruines de la mission. Attendez, on va changer d'arme un peu. Inventaire. Oh, en plus, j'ai des points de compétence, donc c'est parfait, ça. Alors, on va se mettre un couteau, je pense. Genre comme ça.
On va se mettre l'appel de massacre à la place de ça, parce que de toute façon on va pas trop gâcher de mun. C'est bête, ça peut être drôle. Le point américain à la place de ça. Et le marteau précaire, il est pas équipé, donc on va le mettre là. Voilà. On va commencer, on va voir si on peut les tuer avec les 4 coups de lancer. Ça pourrait nous être utile, genre en mode scred. Je me suis soigné pour rien, c'est con ça. Oh putain, mais ils sont 3 tonnes en fait. Bon, relève-toi, relève-toi. Allez, on va peut-être je garder ma rage pour ce passage. Voilà, allez, un de moins. Allez, mec, je vous prends tous. Allez, voilà. C'est un petit peu. Oh là là. Oh, il y a le peuple. Dégage. Bah 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 bah. Ah, je vais mettre le gros coup de pied là. Merde, quoi ça. Non, 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 non. Oh non, je suis mort. Merde. Putain, je voulais juste mettre un coup de pied. Pourquoi ça a changé d'arme? J'ai confondu les touches, quoi. Oh la connerie. Attends. C'est bien ça le coup de pied, non? Non, c'est pour changer d'arme ça. Oh merde, j'ai confondu les deux. Oh, pourquoi j'apparais là, moi? Attends. Ça peut être un endroit stratégique, cet endroit. Enfin, cet étage. Et on va le goûter, celui-là. Voilà. Attendez, regardez comment est-ce qu'on va se les faire. Non. Oh, je pensais qu'il y en avait un qui était au-dessus. Merde, ils se mettent en dessous, ces connards. Attendez. Comment on va se les choper? Oh, doute! Doute, tu sors, toi! Je sais pas comment ils ont fait pour monter, mais ils l'ont fait, quoi. Oh, mais ils sont 3 tonnes! Wouah! C'est quoi ça? Ils viennent me faire démonter. Genre un assassin infecté là. C'est quoi ce truc? Waouh, 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 waouh. Voilà, hop, on va les calmer. Allez, tu meurs. C'est le boss, oui, c'était le boss. Parce qu'il est mort là. On va essayer de m'en faire le plus possible. Par contre, on va retourner à l'étage. Car bah, l'autre là, le boss a lâché une putain d'arme qui avait l'air salement puissante. La masse formidable. On échange contre quoi? Contre nos points américains. Voilà. Et on va sauter sur la gueule des zombies. Il est où? Où qu'il est ce zombie? Bah, d'accord. Bon, on peut pas l'atteindre par là. Est-ce que su. Mais pourquoi ça. Il bouge en même temps. Bim! Eh ouais! Non, mais en plus il se faillit le noyer. Non, juste il fallait que je parle. Non, mais. Putain. J'ai compris, il va falloir lui cramer la gueule avec un truc, sinon lui va nous grave nous faire chier. Couteau de lancer. Parce que il est fortement inflammable le noyer. Non, mais pourquoi? Moi je veux le couteau de lancer, c'est plus pratique, je vous explique. Bon, ok, d'accord. Voilà, one shot. On va récupérer ce qu'il a sur lui, ouais, du fric avec le couteau de lancer, des munitions, super ça, et des kits de soins, voilà. Hop, on va par sur l'objectif, on va changer d'arme. J'ai des yeux sur une porte. J'ai trouvé des escaliers, je pense qu'ils mènent à une crypte. Où est l'entrée? Est-ce accessible? Unless you have some diving gear, the answer is no. Completely flooded. Roger that. Je dois faire quoi là? Ah, on les attend. Come on, Wayne. God damn it. Jesus, that was close. You good? Okay, Trevor, get us out of here.
Have you thought about checking the beach? Will you check on something for me? Bon d'accord, donc on, du coup ils se sont tous installés là, c'est pour ça qu'on avait le voyage rapide disponible. Mais niveau quête, ah voilà. On va voir ce qu'on peut améliorer. Compétences. Oh, j'ai 3 points de compétences, putain on évolue vite hein. Bah, on va, le maximum de santé et d'endurance augmente 10%. Oh c'est bien ça. Ensuite c'est quoi? Augmente le nombre d'emplacements du sac lorsque vous êtes traversé ou vous le relevez rapidement. Ouvrir des verrous, résistance des armes à une main. Ouais. Bah vous savez quoi, on va mettre ça. Et on peut pas monter le suivant, pourquoi? Foutage de gueule. Putain, il faut en mettre encore deux quelque part, genre... Pas des verrous, sac, deux emplacements, mais c'est nul ça, putain. C'est des compétences de merde. Attendez, alors, à Fury, il y a quoi? Fury accélère la vitesse de déplacement, octroie un bonus de rapidité à vous et à votre équipe. Obtenez un rage planétaire après avoir tué un adversaire en combat rapproché. Hmm. Ouais, c'est bien ça. Alors, c'est qui donne? C'est lui. We're not going anywhere till that water's dealt with. I need a pump. Before we left, I talked to an old man from Hawaii. He worked in these tunnels when the Aussies were here, and he said there's still equipment in a workroom not far from here. There should be a pump in there. Can you bring it back? Oh la dague écossaise, mais mec, qu'est-ce qu'ils ont avec l'Irlande et l'Écosse? Absolutely. Good. Once you bring the pump back, I'll take care of this water. Ok. Bon ben, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. On a un nouveau camp, on a des trucs, des barrières, je sais pas pourquoi on les a. Genre, il va y avoir une tower défense bientôt. Et ben voilà. Ben moi je vais vous laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé vous le faire. Et demain je continuerai, je referai un autre. J'espère que des gens seront présents. Pour être présent, il faudrait que vous fassiez le pont, hein, vu que je tournerai l'épisode dimanche ce vendredi. Voilà les amis. Ben, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine.